Ce mardi 7 février, un énorme quiproquo a eu lieu en conférence de presse entre le journaliste Bertrand Latour et l'entraîneur de l'Olympique de Marseille Igor Tudor. Une séquence étonnante diffusée dans l'émission L'équipe de Greg. Énorme quiproquo entre le journaliste Bertrand Latour et l'entraîneur de l'Olympique de Marseille Igor Tudor. Ce mardi 7 février, à la veille du 8e de finale de la Coupe de France entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, l'entraîneur phocéen s'est présenté en conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes. Bertrand Latour, journaliste sportif de l'émission L'équipe de Greg diffusée sur la chaîne L'équipe, était présent sur place ce mardi 6 février. Il a posé une question sur la défaite de l'OM dimanche dernier face à Nice, mais il était loin de se douter de la réponse d'Igor Tudor. Toutes nos excuses à Igor Tudor et à l'Olympique de Marseille. Le journaliste a posé une question sur des déclarations de l'entraîneur après la défaite du club face à Nice dimanche dernier. J'ai lu et j'ai entendu les déclarations. Je n'étais pas au stade Vélodrome dimanche après la rencontre face à Nice. Mais on a fait dire à Igor Tudor sur une traduction, et ça, c'est le cas, qu'il n'avait rien à reprocher à ses joueurs, a-t-il raconté en direct. Cependant, Bertrand Latour avait cru comprendre qu'Igor Tudor avait dit « La défaite est pour moi » et a alors demandé des clarifications à celui-ci à ce sujet, loin de se douter à ce moment-là qu'il ne possédait pas les bonnes informations. C'est une invention à 100%, vraiment je n'ai pas dit ça. Heureusement, l'entraîneur du club phocéen a répondu à la question du journaliste, lui proposant à cette occasion une belle récompense s'il arrivait à retrouver la séquence qu'il a évoquée. Je ne comprends pas ta question. Si vous avez les images, les preuves que j'ai dit ça, allez. Je vous offre une Rolex, a balancé Igor Tudor à Bertrand Latour. Je ne me rappelle pas avoir dit ça. C'est une invention à 100%, vraiment je n'ai pas dit ça. De son côté, si le journaliste n'arrivait pas à retrouver ce passage dans la précédente conférence de presse, l'entraîneur l'a invité à lui payer un café. Il n'a pas bien compris ma question à ce moment-là, il ne l'a même pas comprise du tout, parce que manifestement, il ne l'a pas dit. Point, toutes nos excuses à Igor Tudor et à l'Olympique de Marseille pour cela, a-t-il expliqué. Je lui paierai donc un café, celui qu'il désire d'ailleurs, bien volontiers. À lire aussi, la Ligue 2 débarque sur la chaîne L'équipe. Pour Bertrand Latour en charge du premier multiplex, grâce à nous, on verra quand même du foot en clair à la télé.